sacrilège. On ouvre la boîte. Oh, c'est beau. Voilà. Salut à tous, aujourd'hui un nouveau déballage et pas de surprise, encore Street Unlimited. Mais oh, mais qu'est-ce que c'est encore que cette boîte? Bien, alors, la surprise. Oui, je ne mets pas de miniature pour l'instant, peut-être plus tard. Hop, une miniature qui balance tout. Qu'est-ce que c'est? On va voir de suite qu'est-ce que c'est. Ah, ça s'ouvre de ce côté. Hop, puis de ce côté. Normalement, à la taille, ça se voit un peu ce que c'est. Bon, comme un barbare. Et oh, qu'est-ce que c'est que cela? On a encore du mal à le voir. Ah, je suis un peu gros zoomé. J'ai pas reculé comme il faut. Et là, vous allez voir de suite qu'est-ce que c'est. Je le mets dans mon sens. Remute Soundtrack. Qu'est-ce que c'est, Remute? Techno Optimistic. Hein? Est-ce que c'est que ça? Un CD audio? Tiens, c'est bizarre. C'est des déballages de jeux vidéo? C'est un déballage. Mais ce n'est pas un jeu vidéo, mais c'est sur Mega Drive. Voilà. Il s'agit de Remute. Remute qui est donc un compositeur de musique électro allemand et qui fait quelques albums sur des formats différents. Et là, il y a, je crois que c'était il y a 2017, je crois, je sais plus de quoi, je suis plus sûr, je peux pas dire n'importe quoi. 2017 ou peut-être, je sais pas, il y a marqué 2019 là, mais je suis pas sûr, qu'il a sorti donc un album, qu'il a fait un album avec du son Mega Drive. Et cette année, il en a fait trois autres. Il a fait du son Nintendo 64 sur Game Boy Advance, je crois, et Dreamcast. Et il en a fait un l'an dernier, entre autres, avec du son. Et là, il y a un petit truc à plier, un petit vaisseau, comme dans le clip. Pour ceux qui ne connaissent pas le clip, un petit. Donc, il a fait un album pour la PC Engine ou Core Graphics. Voilà. TurboGrafx, ouais, Core Graphics, TurboGrafx. Et là, c'est le petit vaisseau à plier. Voilà. Comme ça. Comme ça, ça fait comme dans le clip. C'est pas un poster, c'est un petit vaisseau à plier. C'est. Je sais pas s'il y a du collage dedans. Fold, glue. Ouais, glue. Ok. Donc après, il ressemble à ça. Comme dans le clip avec. Ce personnage qui le représente. On va enlever l'autocollant. Oh, sacrilège! Vas-y, dégage! Et donc, il a fait aussi album pour Super Nintendo, Super Famicom. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il a fait aussi avec de la disquette. Et oui, de la disquette. Incredible. Il a rentré un album sur 1,5 mégaoctets. Je sais plus exactement la quantité que peut contenir une disquette. Je crois que c'est un truc comme ça. 1,5 mégaoctets ou 1,3 mégaoctets. Je sais plus exactement. Vous imaginez, c'est la taille d'une disquette. Aujourd'hui, une photo d'un smartphone d'aujourd'hui ne rentre pas sur une disquette. C'est ça qui est exceptionnel quand même. Ah ben forcément, il y a de la compression, oui. C'est comme là, la version CD, je ne sais pas ce que ça rendra. Il y a peut-être un petit extrait là. Ah y est. Alors, dans la boîte, est-ce qu'il y a, il y a des petites choses normalement. Il y a, oh, le monsieur. Le monsieur, voilà. Oh, voilà. Oh, chacun son avis, s'il a une bonne bouille pour vous ou pas. La petite autographe fait de la main de l'homme, de cet homme. Voilà, sur une carte du coup. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un postérieur, comme souvent
avec ses éditions Destructed Limited, à moins que ce soit la carte où il faut mettre le vaisseau. Attendez, je regarde en tout. Ah, ça a l'air grand. Attendez, je crois que ça se déplie en deux, ou c'est juste recto verso. Je ne sais pas. À vous de voir, à vous de me dire. Je ne sais même pas dans quel sens. Si ça tient dans ce sens. Ça se tient dans ce sens. Est-ce que c'est pour être derrière le vaisseau? Ah, c'est possible. C'est possible. C'est un truc recto verso. Et je crois que oui. Je crois que oui, c'est un poster à mettre avec le. On voit pas bien avec les effets, le reflet de lumière. Avec le vaisseau. On le mettra peut-être pas dans cette vidéo. On verra. On verra, on verra. Parce que je vais peut-être pas faire le petit vaisseau ce soir. Parce que oui, je tourne en plein soir là. Et donc, ah, il y a le manuel. Non, je plaisante bien sûr. Ce n'est pas un manuel pour jouer au jeu. Ce n'est pas un manuel. Ça doit être les crédits. Voilà. Ça doit être les crédits. Après, faut aimer le genre de musique. Mais je trouvais que pour le coup, c'était sympa. Ah si, il y a les contrôles quand même. Il y a les contrôles. Il y a les contrôles. Les machines travaillent pour nous. Ouais, ouais, ouais. Et normalement, sur la cartouche, il doit y avoir le clip. Je vous montrerai. Petits extraits. Peut-être pas le clip en entier. Donc on sort la cartouche donc dans sa boîte. Cartouche verte. Basique. Voilà. 16 bits cartridge. Ok. Donc Mega Drive, Genesis, mais Mega Drive, toute région. Voilà. Parce que c'est strictly limited. Pas comme c'est un handicap. Faut être méchant avec Retrobit. Je pense que Retrobit ils sont américains, je suis pas sûr. Et donc du coup, ils pensent pas aux japonais qui ont besoin d'une encoche sur leur cartouche. Ouais, on va voir le petit CD après. Monsieur Remute. Il fera un petit partage sur les réseaux sociaux, comme ça il sera content. Bien sûr, en français. Hein. On va pas lui dire en allemand. Je ne parle pas allemand personnellement. Donc voilà. Il y a quelques news sur son Instagram et autres. Je le suis que sur Instagram. Et donc oui, il a sorti un album Saturn qui pourrait être pas mal. À commander, encore disponible à l'heure actuelle où nous sommes fin décembre 2022. À voir si ça vous tente, mais faut aimer. Mais vous pouvez toujours écouter sa musique sur Bandcamp, voilà, gratuitement, comme cet album justement. Donc pourquoi l'avoir acheté, franchement? Mais c'est pour voir quelle capacité on peut avoir de musique avec de la Mega Drive. Et vous avez aussi sur d'autres machines, du coup, sur ces autres albums. Voilà, le petit CD qui va bien. Le... Hop, voilà, on va mettre un petit peu. Il n'y a pas de truc particulier. Il n'y a pas de livret intérieur. C'est comme ça. Oh, ça chauffe comme ça. Et voilà, tout simplement. Wally Wallou. Eh bien, on va s'arrêter. On va terminer cette vidéo sur... sur tout ça, et on va voir quand même des petits extraits de la cartouche. J'allais dire du jeu, mais non, ce n'est point un jeu, c'est un album musique sur Mega Drive. Voilà, tout simplement. Donc là, nous avons une édition Strictly Limited. Il existait, il avait vendu sur Bandcamp et tout. Il y a eu moins cher, mais il n'y avait pas une édition un peu spéciale comme ça. Bon, il n'y avait pas trop cher, je crois que ça coûtait pas 50 balles ça. Donc voilà. Donc on va faire chanter un peu la Mega Drive, enfin chanter, oui et non, hein, elle va pas chanter. Là c'est plutôt faire jouer de la musique à la Mega Drive. Et voilà. On va voir un extrait tout de suite. Pourquoi pas un extrait filmé, pour voir le son que ça peut faire sur une originale. En attendant, pour la suite, cette vidéo, c'est ce qui arrive là. Donc l'extrait de la cartouche. Je vous dis à la prochaine.
pour une autre vidéo. Voilà, ciao, bye bye. Demo Quiddy.